Si je suis avec Arif Mounachir qu'on ne présente plus. Alors, nous avons assisté à une reconnaissance de sexe social, une ONG dont vous êtes membre du bureau exécutif. Dites-nous un peu, parlez-nous du sexe social. Merci, Monsieur Shams. C'est un devoir d'abord pour moi de vous remercier pour le travail que vous faites au niveau de la communauté béninoise ici aux États-Unis. Vous êtes une ressource. Merci pour ce que vous faites déjà. Sexe Social est une ONG qui est née depuis 2010, qui apporte sa modeste contribution au niveau de l'éducation du Bénin. Et nous avons des projets qui permettent de prendre en charge tous les enfants qui n'ont plus ou qui sont en risque de ne plus avoir accès à l'éducation. Nous nous sommes dit au niveau de Sexe Social, tant que l'enfant a l'âge d'être à l'école, il doit être effectivement à l'école. Et donc, c'est pour ça que nous prenons en charge les enfants du secondaire, puisque le gouvernement béninois a fait déjà un travail par rapport aux élèves en primaire. Donc, nous avons pris en charge, nous avons commencé avec le secondaire. Et nous avons d'autres projets comme l'initiation à l'informatique. Nous avons une salle d'informatique à Tori. Et actuellement, le projet phare, le projet bébé, notre projet, c'est un peu un projet qui a été update, qui a été revu, qui est le projet informatique, mais en conteneur. Et donc, Sexe Social aussi intervient au niveau de ces écoles-là par rapport à l'alimentation, puisque nous constatons dans le suivi de ces élèves que ce n'est pas seulement le problème de... Ils ont d'autres problèmes. Par exemple, arriver à la maison, ils n'arrivent pas à bien se nourrir ou ils doivent aller faire, un travail avant d'étudier. Donc, nous sommes en train de prendre en charge en même temps leur alimentation pour leur permettre d'être à l'aise d'étudier. Nous avons d'autres projets comme la promotion de ce qu'on appelle, vous savez bien, nous avons assez de... On a un secteur au niveau du Bénin, les maîtres d'études, vous voyez, les professeurs qui font les cours à la maison. Et nous sommes en train de promouvoir ce secteur-là pour permettre à l'élève, aux parents et également à ses professeurs, à ses maîtres d'études d'être en communication. Sexe Social a mis sur pied une plateforme qui permet ce contact-là. Nous essayons également aussi de faire la promotion de tous ceux qui interviennent dans le domaine de l'éducation, tous ceux qui aident le Bénin. Parce que vous savez, l'éducation est le socle, est la base de tout développement durable. Donc voilà un peu ce que nous faisons en gros au niveau de Sexe Social. Est-ce que vous êtes satisfait de l'écho que fait vos actions ici au niveau de la diaspora américaine? Est-ce que vous êtes content de la façon dont les gens réagissent de par leur soutien et de par leur façon de vous soutenir? Oui, merci beaucoup M. Shams. Je pense que déjà vous faites un grand travail. Et la communauté béninoise aux États-Unis fait un travail. Vous savez, le gouvernement joue son rôle et les sociétés civiles, à l'instar de Sexe Social, doivent aussi également jouer leur partition. Nous sommes satisfaits de l'écho, nous sommes satisfaits de comment les Béninois s'y intéressent à ce que nous faisons. Et nous avons beaucoup de choses à faire. Nous invitons tous les Béninois, de prendre contact avec Sexe Social. Nous sommes une organisation, nous avons choisi le domaine de l'éducation. Nous invitons toutes les personnes de bonne renommée, toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes qui peuvent apporter ne serait-ce qu'une petite contribution pour l'éducation du Bénin, de prendre contact avec Sexe Social. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et je peux déjà très rapidement vous dire que notre site web est www.sexsocial.org. Visitez ce site-là, allez sur ça et contactez les membres de Sexe Social. Faites ce que vous pouvez faire. Monsieur Shams, vous faites déjà un travail parce que la connexion, c'est parler de Sexe Social auprès de ceux qui peuvent apporter leur soutien à cette contribution. Vous faites déjà ce travail-là. Je voudrais inviter toute la communauté béninoise, que ce soit à Chicago, où nous sommes actuellement pour la journée des Béninois de l'extérieur, que ce soit à New York, que ce soit dans le Nebraska, Texas, partout, tous les Béninois. Venez avec Sexe Social. Nous avons choisi ce domaine, le domaine de l'éducation. Il y a encore plusieurs autres domaines, mais venez avec Sexe Social. Nous avons beaucoup de choses à faire pour le Bénin. Monsieur Arif Mounachir, merci.
C'est moi qui vous remercie, M. Shams.